Salut à tous, c'est Zamodov. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 12 de notre Let's Play sur Crusader Kings 2. Donc, je vais me lancer tout de suite. Hop. Donc, la dernière fois, je sais plus du tout où on a été. Il me semble qu'on était en pleine révolte. Comme d'habitude. Ouais, c'est ça, il y avait une révolte. Donc, je vais essayer de gérer. Ça va être complexe. Hein. Attendez, on va remettre en vue, voilà, comme ça. Donc, alors, tout de suite, on va s'attaquer au plus casse-couille. Je sais pas où sont. Ah, sur la métro, d'accord. Donc, ouais, bah, je vais voir, je vais essayer de gérer. Donc, je vous promets pas qu'on va capturer. Enfin, on va attaquer d'autres pays aujourd'hui. Enfin, d'autres pays, d'autres. Bah, si c'est ça, d'autres pays. Je sais pas, je verrai si j'arrive à gérer assez rapidement la guerre. Ça m'étonnerait, hein. Honnêtement. Ça se présente pas très bien. On va faire armée tout de suite aussi. Mercenaires. On va engager quelques hommes. Oh là là. Ah, on a beaucoup de messages aussi, hein. J'avais pas vu. Nommé. Hop. Voilà, on fera ça après. Hop, on va appeler à la guerre. Ah, l'enculé, il va pas venir. D'accord, donc c'est mort. Un enfant à éduquer. Excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge, comme d'habitude. 24. Oh, bah, de la tendance, nickel. Hop. On va éviter de mettre des gens en prison. J'ai assez de problèmes, hein, je pense. On va faire ça. Les complots connus, on va les arrêter. Mettre fin au complot. Hop. Parce que sinon, je vais me retrouver avec encore des guerres. C'est bon. Ah, lui, je peux pas lui demander. Ok. Lui, c'est un enculé. Aussi, je veux vous remercier parce que j'ai atteint les 25 abonnés. Bon, c'est pas incroyable, mais c'est toujours sympa quand même. Donc voilà, je remercie ceux qui me suivent. Et qui suivent mes séries, voilà, c'est tout. Tac. Qu'est-ce qui se passe lui? Pourquoi là, ça ne monte pas leur truc? Ah, si, ça monte. Vous voyez là, ça c'est la barre de morale. Donc là, elle remonte tranquillement. Donc après, on va s'attaquer à lui là. Hop. Voilà, je vais déchirer. Voilà, on va récupérer le territoire tranquillement. Hop 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 hop, doucement les messages. Donc Biscay, on l'a presque. Voilà. Ouais voilà, donc là Biscay c'est fait. Next, on va s'occuper de lui là. Donc je pense que je vais pouvoir gérer finalement. Bah c'était sûr que j'allais gérer, mais le problème c'est que je perds énormément de temps et de l'argent surtout. Bon ça va, je suis assez. Je suis large niveau argent, mais bon. Attendez, il est parti où? Là. C'est pas le roi de France qui va déclarer la guerre, là. Oh, putain. Ok, donc le roi de France qui me déclare la guerre. Narmol, Narmol. Bah là, je vous préviens, ça va être super compliqué. Hein. Comme le roi de France, on va pas déconner, hein. Donc là, bah là, je sais pas quoi faire. Donc attendez, on va juste voir qu'est-ce qu'il veut. Voilà, 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 il veut même pas la paix, donc je pourrais. Qu'on le laisse pourrir celui-là, qu'on fasse pas chier. Qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, alors là, ça va être compliqué, hein. La France qui m'attaque. Autant vous dire que ça sent mauvais, hein. Ça sent mauvais, ouais. Ah. Nous proposons l'offre de paix, perdre son prestige. Ouais bah c'est bon, tant qu'il arrête sa guerre. Ouais non, ouais, c'est pas négociable. Non, ouais. Donc là on va s'occuper de lui, lui il est là. On va aller là-bas. Oh putain, je viens de voir 1700 hommes là. On va pas s'énerver, on va scinder les troupes. Hein. Oh là là, 9000 troupes! Oh my god! Oh my god! Attendez, on va faire. On va se rendre. Qu'est-ce qu'ils vont prendre? perdre 200 prestiges, roi Julien, Léon abdique en faveur de Varela. Bah, je suis obligé. Hein. On va se rendre.
Qu'est-ce qu'ils ont gagné apparemment? Absolution. Bah apparemment il aurait pas pris de territoire. Ou je vois pas. Ah peut-être ça. Je sais pas, on verra. On verra, on verra. Qu'est-ce qu'il veut lui? À l'attention du. Nous proposons la fond de paix. Seigneur, gagner sans prestige. Non, je refuse. Je refuse. Le mec il croit qu'il va m'avoir quand même, il est fou. Quand même. Attendez, on va scinder les trucs. Bon, je suis un peu dégoûté quand même là, honnêtement. La France qui m'attaque, mes vassaux qui se rebellent. Entre cet épisode là et le dernier, je sais pas c'est lequel le mieux. Alors, on va la faire comme ça. Ouais, défaite comme partout, de toute façon. J'ai juste des défaites partout, tout est rouge. C'est le bordel. Ah d'accord, donc ils ont gagné ça apparemment. Ok, donc alors attendez, qu'est-ce qu'il me reste à conquérir? Là il y a une partie rouge. Hop 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 hop. Ils vont où? Ils vont aller là. Ouais bon d'accord, mon mari il va être ravi, ouais, c'est cool. Ah bah oui d'accord. Ah bah je comprends tout, d'accord. C'est parce que c'est une fille qui est au pouvoir. Bah voilà, c'est ce dont je vous parlais. Hein. Personne même, je suppose. Hein. Ah si, quand même. Ah, si, quand même. Hein. Moins 15. Bah alors là, honnêtement, la série va s'arrêter, je pense. Hein. J'avais plus de 1800 pièces d'or. Je sais pas où est-ce qu'elles sont parties, mes pièces d'or. Je sais pas quoi dire, là. On va lever les troupes. Oh là là, c'est la guerre de partout. Je suis à moins 1 en or. Oh là là, que faire? Bon, bah ces épisodes. Je vais les démobiliser, de toute façon ça sert à rien de les. Je vais les envoyer à la mort, ça sert à rien. Peut-être que ceux-là je peux les amener là. Bon bah comme vous le voyez la série va sûrement s'arrêter là. Alors, elle fait 12 épisodes là-dessus, c'est pas mal. Et vas-y, j'ai encore une fille, bah, allez, allez. Putain. J'en ai marre d'avoir des filles, je veux un homme, je veux un mec, je veux un fils. Devenir, non, c'est bon, devenir un exalté parmi les hommes. Mais t'es une femme, t'es une femme, connasse. Comment est-ce que tu peux devenir exalté parmi les hommes? C'est grave. Ah bah oui, du coup je suis perdu, bon allez, ouais, c'est la fête. J'avais pas remarqué que j'avais eu. Bah, que ma fille avait repris le pouvoir. Tout s'explique du coup. Pas d'héritier à votre dynastie, bah c'est bon, on va te faire. Oh là là, tous les points rouges là d'un coup. Ils étaient déjà là avant, putain, j'avais pas remarqué. Oh bah c'est foutu, hein. On va pas se mentir. Lui on va accepter son offre de paix là. Appuyer, se rendre. Ça sert à rien de se battre. Hein. J'ai horreur de me battre contre plus fort de moi. Bah là c'est fou, ouais, c'est foutu, hein. Je vais pas me battre contre. Je vais pas me battre contre. Avec ce que j'ai là. Donc je vais me rendre. Je sais pas ce qu'ils vont gagner, je m'en fous. Je veux juste qu'on me foute la paix. Voilà, 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 voilà. Ok. Donc état d'élu, on a perdu ça. On a perdu ça. Ah d'accord, donc c'est le même en fait. D'accord, toi t'es un bâtard, toi je vois un peu comment t'es, bâtard. Ah mais il se fout de ma gueule là, ça va aller ou quoi de m'attaquer? Vous voyez, ça me dégoûte, honnêtement ça me dégoûte, j'ai même pas envie de jouer quoi. J'abdique, je leur laisse ce qu'ils veulent et ils me réattaquent 2 secondes après quoi. Mais... ça me dégoûte, hein. ça me dégoûte. Qu'est-ce que je peux faire? Bah, je vais leur donner des titres. Hein. Non, ça on va éviter de donner, déjà que j'en ai plus beaucoup. Hein. Je peux appeler à la guerre qui? C'est qui lui? Julien, roi Julien de Pologne. Roi Julien? Comment ça se fait qu'il est roi lui? Putain, ouais, cet enculé vient pas. Bon, on va le laisser. Comment faire là? Attendez, laissez-moi voir à peu près ce qu'il a comme armée. Bon, il en a pas grand-chose.
Enfin, il a pas grand chose. Ça, c'est pas français, ça. Il a pas grand chose comme armée, donc je vais essayer de le fumer. Bon, bah, ça va, j'aurais pas perdu. Ouais, si, quand même. Ouais. Si, si, j'ai perdu quand même. J'ai perdu ça. Non, mais ça, c'est à moi encore. Ouais, c'est à moi, mais bon, j'ai perdu pas mal de trucs. Hein. Surtout ma fortune, hein. Alors, ça, c'est ce qui me fait le plus chier, je pense. 504. Pourquoi j'ai perdu autant d'armées là? Oh là là, mes armées. Oh, 1200. C'est ridicule. C'est ridicule ça. Hop, hop, hop. On va pas s'énerver, on va aller là. On va bouger vers là-bas. Non, vers ici. On voit qu'il a beaucoup d'armées quand même, lui. Ah, mais il y a quelqu'un qui l'a rejoint, mais putain, c'est des relous. Ah, je vous promets, quand ils ont décidé de vous casser les couilles, c'est juste que vous voulez, mec. Hein. Bon, je l'ai livré en battue 30 hommes, bon, c'est pas grave. Ok, là j'ai 600 hommes, ça va faire 1200. 2500! Ah, c'est chez lui, oh putain. Oh là là, c'est quoi ça? C'est quoi ça? 7500 hommes, mais c'est qui celui-là? Mais c'est qui? Mais pourquoi? C'est qui? C'est qui ce mec? T'es qui toi? Mais tu règnes sur quoi? Comment tu peux avoir 7500 hommes, mec? Ah, c'est les ordres sacrés. Couillon, bah, il peut rien faire avec ces ordres sacrés. Enfin, si, il peut conquérir le territoire. Oh l'enculé! Ah l'enculé! Voilà. Ça, il peut pas m'attaquer avec ses ordres sacrés. Non, voilà, j'ai eu un peu peur. Mais non, mais non, c'est bon, il peut pas m'attaquer. C'est bien ce qu'il me semblait. Les ordres sacrés ne permettent pas d'attaquer. Putain, il se fout de ma gueule. Ne permettent pas d'attaquer les chrétiens. J'étais pas sûr, hein. Ça fait longtemps que j'avais pas joué. Enfin, que j'avais pas utilisé les ordres sacrés, donc du coup, voilà. Attendez, on va faire ça. Former les troupes à Tolède. Percevoir les impôts à Tolède. Là, j'aurais bien besoin d'argent, mais ça ne vient pas. Ah, il se moque de moi. Voilà, je l'ai chopé. Oh, il y a lui qui meurt là toutes les 10 secondes, ça va aller ou pas? Ah, attendez, ça c'est à lui donc ça on s'en fout. Ça c'est mon territoire, il est en train de le prendre, ça l'enculé. Donc je l'ai fumé. J'ai récupéré un territoire apparemment. Ah, c'est cool ça. Hop, on va vite les distribuer. Oh, personne même apparemment. Pourquoi personne même? Alors attendez, on va lui envoyer. Non, pas de cadeau, hein. C'est ça. J'ai pas de thunes. Hein. On va lui donner la ville, voilà. Il est content. Si lui il est content, moi je suis content. Lui on va lui donner ça. Hop. On va aller voir ceux qui sont pas vraiment pas contents. Y a pas des ducs. Ah ah ah, duc des Asturis. Alors lui il m'attaque, je suis mort. Hein. Tant vous le dire tout de suite. Hein. Pourquoi est-ce qu'il m'aime pas d'ailleurs? Ambitieux, ah t'es un enculé. Ça c'est la caractéristique que je déteste le plus parce que ouais, moins 50 d'un coup, vous voyez. Il a moins combien là? Moins 50. On va aller attendre un autre titre. Ouais j'abuse, non non non. J'arrive pas à voir bien sur mon écran. Moins 50, ok. On va donner à lui. Oh là, l'évêché, tu devrais être content, mon grand. Casse-toi. Alors attendez, on va faire appel à nos alliés. Il viendra pas, c'est pas grave. Il viendra pas, c'est pas grave. Ça nous dit... Enfin, il y a beaucoup de trucs, hein. Pas d'héritier à votre dynastie. Ce que je comprends pas, c'est que j'arrive pas à avoir d'enfant. Enfin de garçon, donc du coup ça me... Pour l'instant j'ai une fille quoi, une fille ouais, mais une fille ça m'aide pas. Ça m'aide pas du tout même. On va prendre le territoire. Du coup je pense pas que j'ai accès aux ordres sacrés. Enfin, ouais. De toute façon il les a, voilà. Voilà. Lol. Je suppose que je n'ai pas le choix. Bah ouais, je n'ai pas le choix de toute façon. Attendez, roi Julien III de Léon a usurpé le titre du royaume des...
Ok, bon bah là je décidément je voilà, j'ai vraiment pas de chance. J'ai été obligé d'abdiquer en. Ah mais moi j'ai plus Léon du coup. Ah ouais moi c'est Castille quoi. Ah j'aurais préféré avoir Léon là. Ok, on va s'occuper de lui là. Bah rien. Il a 0 homme, ok là. Tac tac tac. Donc j'ai encore perdu du territoire. Hein. Cet épisode décidément je le déteste. Du coup j'ai repris mes anciennes couleurs, la Castille. Non j'avais commencé avec Léon. Je sais plus. Non Castille. Oh je sais plus, on s'en fout. Je sais pas combien de temps. Ouais vas-y c'est ça. Attendez, je vais regarder le timer. Rapidement. 15 minutes, ouais. Je sais pas s'il va y avoir une suite à cet épisode. Je sais pas. Parce que là franchement honnêtement j'ai perdu hein. Ah on me déclare la guerre. Ah bah ça faisait longtemps. Attendez une nouvelle guerre. Ça me manquait hein. Bon bah j'ai pas géré hein. Enfin j'ai pas géré, j'ai fait ce que j'ai pu hein honnêtement. Le jeu était contre moi donc je pense que je vais abandonner. Dans les commentaires. Bah je sais pas en fait. Si bah si le mieux c'est d'abandonner de toute façon. Ouais voilà, j'ai plus d'armée, j'ai plus de territoire. Bon bah voilà, on leur a fait une belle aventure quand même. Hein. Donc si vous avez envie de voir une nouvelle série sur Crusader Kings 2, donc laissez-le moi en commentaire. Donc je pourrais faire, par exemple, je pourrais faire l'Irlande. Enfin non, ça là, le petit boulin. Et attaquer l'Irlande. Donner comme objectif de prendre tout ça là. Ou je pourrais aller en Suède par exemple. Et comme défi de prendre tout ça, la Norvège. Le Danemark ou encore bah, je sais pas, donnez-moi des idées si vous avez envie de voir une suite à ce, enfin un nouveau let's play sur ce jeu quoi. Mais là honnêtement je suis un peu blasé hein. Franchement là ça m'a dégoûté ce petit bah, cet épisode et l'épisode suivant quoi, mes vassaux qui m'attaquent. Pourtant j'étais bien parti hein, j'avais tout ça. Là j'allais m'attaquer à la Mauritanie, j'aurais récupéré tout ça et à mon avis j'aurais eu assez de puissance pour m'attaquer à la France. Bon bref, hein, ça n'arrivera pas. Je suis désolé, hein, j'ai pas été assez fort. Donc prochaine vidéo, ce sera sûrement une vidéo découverte. En fait, je sais pas là dans l'ordre. Bon, je sais pas, j'ai plein de vidéos qui sont déjà upload que j'ai juste à vous mettre en ligne. Donc on vous verra, hein, voilà. Donc n'hésitez pas à commenter, donc à participer, à me dire ce que vous préférez, si vous voulez une suite. Enfin, un nouveau, plutôt un nouveau let's play, parce qu'une suite, c'est pas possible. Et voilà, dans la description il y a mon Twitter si vous avez envie de discuter avec moi ou autre. Je vous dis à la prochaine, bye!